À la coupe, nous avons le 10 de bâton et le 7 de coupe. Je vois que la tension nerveuse est à son comble. Il y a un risque de stress, un risque de burn-out. Le message n'est pas de bon augure. On ressent beaucoup de tension nerveuse, une grande lassitude, voire un manque de motivation pour certaines personnes. On se demande à quoi bon continuer dans cette direction dans la mesure où l'on stagne. Vous êtes accompagné d'un doux rêveur, un marchand de rêves qui vous vend beaucoup de paillettes, mais au final, il euh, n'y a pas grand-chose qui se passe. On n'a rien de concret ni de tangible. Par contre, faites attention à cette personne parce qu'elle est très entourée et euh, il se pourrait qu'elle ne, euh, qu ne soit pas très fiable. Maintenant, qui ont choisi le petit chat manikineko, nous allons voir que j'ai nommé Kali, nous allons voir votre état d'esprit. Je vois que vous êtes quelqu'un de dynamique, de déterminé. Euh, vous avez un grand besoin d'élargir vos horizons, mais vous êtes en ce moment très active sur le plan de la communication. L'état d'esprit de Shiva, donc le partenaire avec qui, ou la partenaire avec qui, vous envisagez une relation. Cette personne est beaucoup trop dans la réflexion et l'analyse, ce qui l'empêche d'agir. Je pense que cette personne rêve d'un souffle de nouveauté. Elle voudrait faire rentrer dans sa vie une émotion intense, quelque chose qui la sorte de sa routine, mais elle a peur. Elle se met des freins. Repassons à Kali. Quels sont les besoins de Kali Vous, vous avez un besoin de vous affirmer, d'exprimer. Vos désirs, vos envies, d'ouvrir votre cœur. Les défis, la concurrence, ça ne vous fait pas peur. Il y a, il y a comme autour de vous une ambiance, car même assez conflictuelle, qui pourrait même dégénérer en dispute, mais une dispute que vous cherchez vous-même à provoquer, comme pour crever l'abcès. On a envie de tout lâcher sans retenue, de, de dire ouvertement tout ce que l'on ressent, de donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Les intentions. De Shiva, je pense que cette personne est en train de vivre soit une rupture douloureuse, soit elle a vraiment envie de franchir un cap dans une relation avec quelqu'un, mais elle se retient par peur des conséquences, peur de faire du mal dans sa famille, euh, peur de trahir, elle, elle ne veut pas comme si quelqu'un avec des, 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 des scrupules en fait, à faire souffrir. On essaye de lutter contre son désir profond d'aller voir ailleurs. Votre relation. Je vois que pour moi, vous avez subi plusieurs prises de bec. Vous avez des contacts un peu brusques remplis d'un désir mutuel refoulé, ce qui donne des heurtes. Ça vous frustre à tous les deux. Je vois beaucoup de contacts, soit dans un cercle amical, mais je pencherai plutôt pour une relation dans le domaine professionnel. Pour moi, c'est un désir non avoué pour un collaborateur ou, dans tous les cas, une personne qui est haut placée dans la hiérarchie. Donc, ça peut être soit un supérieur hiérarchique, soit quelqu'un qui, qui a votre même niveau, mais sur un plan hiérarchique, car même élevé, je vois quelqu'un d'aisé, quelqu'un d'imposant, de, de, quelqu'un qui, qui donne des ordres. Euh, cette carte vous dit surtout de ne pas baisser les bras, parce qu'il y a des difficultés. Certes, il va y avoir des difficultés, mais euh, je pense que ça en vaut la peine. L'obstacle, je pense que cet obstacle nous dit que la personne est mariée et qu'elle a des scrupules, on revient à nos débuts, c'est une personne qui est bloquée, qui réfléchit à beaucoup trop de choses, euh, elle a peur du candidata--on euh, elle a peur que cette relation euh, aille droit dans le mur, elle a peur des, des, des répercussions sur euh, le domaine familial, sur le domaine du travail, euh, elle, en fait elle, elle, elle est dirigée par ses peurs, et euh, c'est ce qui fait qu'elle est bloquée, et c'est ce qui fait aussi que parfois, elle a tendance à devenir agressive. Euh, comme s'il y avait des, des, des sous-entendus, des malentendus, des quiproquos. Des... La personne est un peu perdue, elle ne sait, elle, elle sait pas vraiment où elle en est. Elle est bloquée, pour moi, elle est bloquée dans ses pensées. Le conseil... Avec le 10 de coupe, on vous dit de profiter des petits bonheurs simples de tous les jours, de ne pas attendre trop de la vie ni de cette relation extra-conjugale, simplement de profiter du moment présent, carpe diem, car si dès le départ vous pensez à une vie de couple bien rangée, avec euh, une, une vie en commun, les réunions de famille, euh, est-ce qu'on aura un chien, est-ce qu'on aura des enfants, est-ce que vous allez ruiner ce bonheur? Vous allez ruiner cette parenthèse euh, qui, pour moi, justement, est, est, est en dehors du temps. Donc, restez dans la légèreté. Euh, vraiment, vivez, vivez chaque moment comme une surprise agréable, comme un cadeau que vous offre la vie, mais ne vous prenez pas la tête avec le quotidien. L'issue, cette relation, a toutes les chances d'aboutir, car des deux côtés, vous êtes rongé par un désir caliente. Une fois les barrières du mental et de la peur anéanties, votre désir et vos appétits sexuels vont être envoûtants. Vous allez être comme marabouté par des rendez-vous clandestins. Je vois pas mal de siestes crapuleuses qui feraient pâlir le marquis de Sade. Néanmoins, prenez garde avec cette dernière carte de ne pas tomber dans la dépendance affective. Le manque de l'autre, c'est une relation très intense qui s'annonce, mais surtout, n'exposez pas en plein vol. Donc la dernière carte que j'ai tirée, la carte conseil, issue du chakra, le chakra du cœur euh, oracle d'Isabelle Serf, je vais vous lire le conseil d'Isabelle Serf. Dépendance affective, tu n'es pas dans une énergie de liberté au niveau de ton petit cœur. Soit ce message t'est adressé, soit c'est pour ton âme-sœur, si elle est déjà dans ta vie. Mais il y a là des questions en lien avec la dépendance affective qui affecte de façon négative ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien qu'il y a un travail de libération émotionnelle qui n'est pas terminé. Tu dois prendre conscience que tu as besoin du regard de l'autre pour te sentir en paix. Tu as besoin de la présence de l'autre pour apaiser tes angoisses et faire taire tes peurs. Tu as besoin de l'amour de l'autre pour t'aimer. Ce n'est pas juste pour toi car il s'agit bien de dépendance affective, ce qui t'empêche d'être véritablement toi-même et surtout de prendre tes distances vis-à-vis -vis de personnes ou de situations qui ne sont pas équitables pour toi et qui ne t'apportent pas le bonheur que tu mérites. Tu dois prendre conscience que ton chakra du cœur souffre en ce moment et qu'il n'est pas ouvert à l'amour véritable que tu attends. Cela attire à toi des personnes qui ne sont pas en accord avec ta beauté d'âme. Alors prends en compte ce message très important de tes guides et libère-toi de cette dépendance. La guérison peut être très rapide si tu reprends les rênes de façon positive pour ton petit cœur qui ne demande que cela, battre de nouveau vers la lumière. Tes guides te disent bien que tu as encore un travail de pardon à faire sur toi-même car tu as encore des étapes à franchir. Tu as encore trois événements importants à vivre avant d'atteindre le véritable bonheur. Cela peut être perturbant pour toi au premier abord, mais tout cela est là pour t'apporter des expériences positives pour que tu comprennes véritablement qui tu es et ce que tu souhaites. C'est pour cela que tes guides te disent que tu dois encore attendre 7 mois avant d'atteindre le bonheur et la relation que tu souhaites. Que ce soit des rencontres ou de synchronicité, il y a des choses très importantes qui t'arrivent. Si tu es dans une relation compliquée, il va en encore falloir passer des étapes qui pourraient être difficiles mais qui vont être nécessaires. Si tu attends une rencontre, tes guides te demandent de faire preuve de patience mais tu as leur soutien pour cette phase d'attente. you